Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on est là pour une journée très spéciale et très iconique. Très iconique! On a été invité du coup par la Luxury Hotel School. C'est une école d'hôtellerie de luxe. Ultra luxe! Ultra luxe! Ultra luxe! Ok, attention! Donc, on n'est pas dans une école de pacotille. Donc, en fait, ils nous ont invités du coup pour venir déjà visiter le campus et on a aussi rencontré personnel. Et... Ils sont au top. Franchement, on est choqués. J'hésite littéralement. Et on est là du coup avec mon petit Sullivan pour faire le programme Une nuit au palace. Donc en gros c'est un programme de première année et le concept c'est que les étudiants viennent dormir littéralement une nuit dans un palace. Donc nous en l'occurrence avec le Bristol aujourd'hui. Donc c'est parti. Suivez-nous et à tout de suite quoi. C'est la première fois dans toute ma vie, hein, alors que j'ai mangé à la cantine toute ma vie, que je veux manger quoi. Je veux manger à la cantine. Ils sont très confortables. J'ai envie de travailler, tu vois. Ah, Ok les gars, donc là on est avec quelques étudiants. On va leur poser des petites questions avec Sullivan. Pourquoi vous avez choisi cette école? Pourquoi cette école-là en particulier? Le partenariat avec l'EHL de Lausanne. Qui donne une visibilité sur l'international. On est situé aussi en plein cœur de Paris, donc niveau expérience luxe, c'est parfait. L'école, elle est riche en partenariat. Elle est en partenariat avec les plus grands hôtels de Paris. Et qu'est-ce que vous voulez faire après l'école, plus tard? Travailler dans un hôtel style palace, etc. Je trouve ça très intéressant. Plus tard, au fil des années, j'aimerais ouvrir mon propre hôtel. Être directeur général d'un palace. Et c'est quoi le programme de première année? Parce que c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Première année, on apprend toutes les bases de l'hôtellerie. Parce que déjà, avant de devenir manager, il faut savoir qui on va manager plus tard. C'est-à-dire qu'on est sur toutes les bases, on fait de l'housekeeping, de la gestion, on fait du front office. Aujourd'hui, on a une luxury expérience. Du coup, ça consiste à dormir dans un palace, à avoir un côté client sur lequel on devra faire un rapport. Est-ce que vous devez faire des études en particulier, donc un bac en particulier, pour pouvoir rentrer dans cette école? L'école est composée donc de bac général, de bac pro, de STMG. Je pense que c'est surtout la motivation durant l'entretien. Est-ce que du coup vous connaissez le programme pour les prochaines années? On a 5 à 6 mois de cours et ensuite un stage de 5 à 6 mois aussi, trouvé par l'école, exclusivement dans le luxe. Et je sais que sur les deuxièmes années, il y a un voyage à Barcelone. Et en troisième année, on a un repas, enfin un dîner même, à l'assiette champenoise qui a un 3 étoiles Michelin. Let's go! Moi, je prends le Merco. Je suis trop chaude pour dédicace à Valentin. Voilà, c'est mon verre maintenant, je t'ai les volé. Je suis perturbée, c'est beaucoup trop grand pour nous, je suis choquée, je suis très bien. Donc là je vous explique le truc de ouf, vous avez vu la suite de malade, j'ai jamais vu ça de ma vie, genre je pense qu'il y a Beyoncé qui est rentrée dedans. Vous voulez pas venir sur la vidéo? Je me cache, non, parce que j'ai pas mis mon peignoir. Donc là on a un petit peignoir Bristol, on va faire un petit massage. Vous savez qu'en ce moment, je fais grave du sport. Et du coup, j'avais des courbatures de partout. Et là, la dame, elle m'a massée. Mais là, c'était la folie.